Ici, nous avons gardé la descente en pente douce du 45, qui est vraiment un point fort de ce bateau. Et nous avons conservé également cette belle main courante qui permet une circulation aisée de l'intérieur vers l'extérieur. Bienvenue à l'intérieur de ce nouvel Oceanis 46.1. Nous allons travailler le design intérieur avec notre cabinet Nota, qui travaille depuis de nombreuses années avec nous et qui travaille surtout dans le milieu des superyachts, qui nous a apporté son expertise dans le choix des matériaux, dans la répartition des espaces. Donc nous sommes ici dans une version 3 cabines, 2 salles de bain, avec une ambiance en chêne brossée, avec des selleries en tissu. Nous avons aussi également la possibilité d'avoir un intérieur en mahogany, avec de nombreux choix de selleries en tissu ou en cuir. Ici, nous avons un carré très confortable en U, où nous pouvons accueillir facilement 8 personnes pour dîner autour de la table. On peut rabaisser la table pour en faire un couchage d'appoint, ou également faire un grand espace détente pour regarder la télé par exemple. En face du carré, la cuisine, très confortable en navigation, c'est une cuisine en L avec une main courante devant le four, une fargue en corian permettant de s'agripper en navigation, deux grands éviers, beaucoup de rangements un peu partout et une ventilation naturelle pour la cuisine qui est aussi idéale. Un petit plus par rapport à l'Oceanis 45, nous avons rajouté ce meuble de rangement à gauche de la descente, très pratique pour mettre tous les couverts et casseroles. Donc la table à cartes est vraiment l'espace propriétaire par excellence. Nous avons vraiment apporté de la richesse avec des bois massifs, un dessus en cuir, des rangements sous la table à cartes, des petites niches et surtout un espace avec une banquette qui se transforme en méridienne. Pour se reposer le soir, elle est idéale. Également pour le propriétaire, on a ajouté une belle bibliothèque dans laquelle on peut ranger tous les livres de navigation ou d'aventure. Ce qui est vraiment superbe sur ce bateau, c'est la lumière naturelle grâce à des grands vitrages de coque, de roof, des hublots zénithaux qui permettent vraiment de donner du volume et d'une ambiance vraiment chaleureuse dans ce bateau. En plus de cela, vous noterez qu'on a vraiment beaucoup de hauteur sous barreau et des volumes généreux en largeur. Donc là, nous avons une magnifique cabine propriétaire, très lumineuse grâce à tous ces vitrages, avec une vue directe sur l'eau. Grâce aux redans que nous avons à l'extérieur de la coque, nous gagnons 40 cm de chaque côté, ce qui nous permet d'avoir un lit large, type maison, d'1m60 et de 2m de profondeur, des accès de chaque côté. Également, dans cette cabine, nous avons en standard des rideaux 100% occultants pour se mettre en bonne nuit. Et ce qui est notable également, c'est tous les rangements qu'on a à disposition. De chaque côté du lit, des rangements, des penderies. Et sous le lit, un grand tiroir permettant de ranger, par exemple, les sacs de voyage. En conclusion, nous avons ici une cabine avec une prestation digne d'un 50 pieds, avec en plus par rapport aux 45 pieds, une douche et une toilette séparées. À l'arrière, de part et d'autre de la descente, nous avons deux belles cabines pour les invités. Donc ici, nous sommes dans la cabine arrière tribord pour les invités. Nous avons un grand lit de 2 mètres par 1 mètre 60, beaucoup de lumière naturelle, de la ventilation ici et là, permettant de créer un courant d'air. Attenant à cette cabine invitée, nous avons une salle de bain avec de généreux volumes et surtout une douche séparée, de la lumière naturelle, de hauteur sous barreau, de la ventilation. Ici, nous avons repris les dimensions de l'Oceanis 45.1 qui était un point fort de ce bateau.